Je ne
suis pas morte là. Mm-hmm. Henriette ne peut pas suivre Jésus. Elle va, elle, elle entre, serait toujours entre, en colère. Entre toi et Henriette là, on va voir qui va mourir aujourd'hui. Parce que Henriette, elle est avec Jésus. Tu comprends? Oui. Dis-moi. Dis-moi. C'est dans l'eau. Dans l'eau. Oui, dans l'eau. Yeah, dans la mer. C'est là que j'ai mis ça. Va me chercher ça. Cours vite. C'est son père qui m'a aidé. C'est son père. Va chercher son âme. Va chercher son âme. Vite. Vite! C'est ça! Oh. Dépose dans son corps! C'est ça! Dépose! Je sers son âme dans le sang de Jésus de Nazareth! Et je le fais couvrir par le feu de mon Dieu! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus! Maintenant, c'est pas fini! Où est son étoile? Où est son étoile? Sinon, je vais te craquer la joue! Où est son étoile? Où est son étoile? Rends-lui son étoile. C'est au Togo. Au Togo. On a planté une âme, un petit table. On a mis ça, son étoile sous. On a planté l'âme là. L'âme là a grandi, ça a déjà grandi. C'est ici. Son âme. L'étoile là, c'est déjà haut. C'est moi qui étais, c'est moi, sa maman. C'est le donneur de tes mains, Je vais la tuer. C'est moi qui vais la tuer. Tu vas au Togo. Tu cours pour aller au Togo. Tu vas aller me chercher son étoile. Vite. C'est comme ça on marche. C'est comme ça on marche. On fait comme ça. Pierre, ça c'est l'esprit de sorcellerie. On fait comme ça. Je m'en fous de ce que vous faites. On fait comme ça. Tu n'arrives pas à la pression de l'Esprit Saint. Vite. Je m'en vais là. Creuse au nom de Jésus. C'est lourd. L'âme là est lourd. C'est gros. Vite. On va enlever tout ça là. Hey, tu vas souffrir. Vite. Regardez-moi ça. C'est son étoile, je veux. Faut pas me prendre l'étoile de quelqu'un d'autre. Hein. Non, ça pourrait. Dépose sur sa frontanelle. Dépose au nom de Jésus. Je sers ton étoile dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je le fais couvrir par le feu que tu as. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nazareth. À partir de maintenant, tu ne t'apprends plus jamais de son étoile. Tu as bien compris. Maintenant, c'est pas fini. Sa gloire. Elle doit être glorieuse. Où est sa gloire? Sa gloire, tu as mis ça où? C'est qui il? Moi, son père, non? C'est dans un village de Kiki. Amène ça. Au nom de Jésus. Tu marches comme qui ici? Au nom tu es roi ici. De Nazareth. Hein? Tu penses que tu es roi ici? Je te jure au nom de Jésus. Tu penses que tu es roi ici? Jésus de Nazareth. Regardez-moi ça. Au nom de Jésus. Thank you.
Jésus est un feu dévorant. Regardez, vous qui ne voulez pas donner votre vie à Jésus là. Regardez, ça c'est l'œuvre de la sorcellerie. Sa propre mère. Voilà. Vite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vite, c'est pas fini. Qu'est-ce que tu as encore volé? Toi-même, il faut dire les choses que tu as volées. On va aller vite. Qu'est-ce que tu as encore volé dans sa vie? Et la colère. Je l'ai mis la colère. Allez, avec son mari. Enlève la colère. Toujours ses bagages. Voilà. Enlève la colère. Enlève la colère. C'est moi. Enlève la colère. Vite, prends ta main et enlève la colère de son cœur. De son cœur. Oui, c'est dans son cœur. Et enlève ça. C'est là j'ai mis. Enlève ça. Oui, c'est dans son cœur. Tu viens. Tu veux faire quoi? Je te dis, enlève la colère de son cœur. C'est dans son cœur, je vais l'enlever. Enlève-la plus vite. Oui. Attendez, moi je suis fatigué. Tu es fatigué. C'est beaucoup. Lève la trop de gloire. C'est beaucoup. Lève la trop de gloire. Rien ne te va me dire aujourd'hui. Tu es venu dans l'église. Tu es venu chez eux. Dis-moi, quand vous êtes allé chez Ototo là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas sorti là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur est jaloux de Ah bon? Le pasteur me fait jaloux. Hein? Il est jaloux de Ariel. Qu'elle est en train de gloire puisque lui qui est pasteur. Ah bon? Oui! C'est quoi ça le pasteur? Et le pasteur, tu veux devenir mon complice là? Oui! D'accord. Maintenant, oui. On va quitter ici. Ah. Et enlève la colère de vous. On va quitter ici. Enlève. Je vais enlever. Enlève. Ouais, les gens vont voir ça comme du théâtre. Ne venez pas à Jésus. Vous allez mourir comme des mouchons dans la main des sorciers. Ne fuyez pas pour venir à Jésus. Tout sa vie est bloquée. On n'a même pas commencé sa délivrance. Je parlais seulement avec elle. Et le Saint-Esprit l'a frappé. Voilà. On n'a même pas encore commencé les bonnes choses. Tu vois comment les choses qui sont sur sa tête là. On va arracher tout ça là. Parce que ici là c'est propre. Hein? Et jette la colère. Jette la colère. Jette la colère. Voilà. Avec son mari, toujours des bagarres. L'insoumission, la rébellion. Et oui. Enlève ça, vite. Au nom de Jésus. Enlève ça. Enlève ça. Ce lieu est rempli de feu. Ce lieu est rempli de feu. Et enlève la rébellion, l'insoumission. Jette ça dans les abîmes. Jette ça dans les abîmes au nom de Jésus. Jette ça. Qu'est-ce que tu as encore mis en elle? Elle aime lire la Bible. Mais c'est moi qui refuse. J'ai dit elle ne va pas lire la Bible. Et c'est moi qui la donne pour ça de lire la Bible. Moi, ça, maman. Je la donne pour ça. Parce qu'elle est pasteur. Une fille pasteur. Une femme pasteur. Elle n'est pas pasteur. Elle est servante de Dieu. Elle est enfant de Dieu. Voilà. C'est parce que tu ne comprends pas les choses. Maintenant là, tous ces instruments qui sont encore en elle, tu enlèves tout ça là. Hey! Tout ce qui t'appartient encore dans son cœur, et tu enlèves tout ça. Vite! Père de chiffre, vite! Voler! Menti. Voilà. Discussion. Voilà. Tout. Tu as bien compris. Tout. Enlève ça. C'est tout. Toi qui as ces choses, c'est voilà. Tu as du travail. Voler, mentir, colère.
hein, insoumission à son mari, incrédulité, hein, rage, méchanceté, moquerie, tout ça là. Voilà, c'est des semences, des ténèbres, des semences de sorcellerie. J'ai dit que les gens vont se moquer d'elle. Voilà. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et enlève tout ça. D'accord. Enlève tout ça. 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 Ce lieu est rempli de feu. Ce lieu est rempli de feu. Ce lieu est rempli de feu. Un démon ne peut pas venir ici et repartir librement à la maison. Aïe! Et aïe aïe aïe, jette ça dans les abîmes. Jette ça dans les abîmes. Jette toutes tes semences, jette-les. C'est pas gros, c'est petit. Jette-les. Qu'est-ce que tu appelles petit? Jette-les dans les abîmes. Jette-la, loin, 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 loin. Feu. Au nom de Jésus. Feu. C'est une maladie, tu as mis en elle. Fatigue, maux de cœur, maux de ventre, maux de... Elle est chaque fois malade. C'est moi, hein, c'est moi, c'est moi. C'est moi, Véronique, c'est moi. C'est mon enfant, non? Aujourd'hui, elle n'est plus ton enfant. Donne-moi des liens de matin. Elle n'est plus ton enfant. Toi-même, tu vas crier ici qu'elle n'est plus ton enfant. Et moi, son père, je couche avec elle dans la nuit. Très bien. Moi, son père. C'est moi, son père Jean-Marie. Je couche avec elle parce que. Vous êtes les deux. Oui. Voilà. Regarde, toi, Véronique, le lien de maternité qui te lie avec Henriette, regarde, à partir d'aujourd'hui, elle n'est plus ta fille. Elle est devenue la fille de Jésus. Le lien de maternité qui te lie à elle, par le nom de Jésus. Je déchire le lien de maternité. Je coupe le lien. Je romps le lien de maternité. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, elle n'est plus ta fille. Le cordon ombilical qui te lie à elle, je saisis l'épée à toute façon. Je coupe le cordon. Je coupe le cordon. Je coupe le cordon. Je coupe le cordon. Je coupe le cordon ombilical. Je le coupe au nom de Jésus. Je le coupe au nom de Jésus. Je coupe. Je coupe, je au nom de Jésus de Nazareth. C'est pas fini. Hey, lève-toi. Il n'y a pas de comédie ici. Lève-toi. Tu lèves au nom de Jésus. On n'a pas fini. Lève-toi. On n'a pas fini. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Qu'est-ce que tu as encore détruit en elle? La nuit, mon mari m'a mis à Cotonou, chez lui là-bas. C'est là où on fait les réunions chaque nuit. Très dans bien. La nuit, là, dans son mariage boîte. On ouvre boîte là, on entre dedans, on fait réunion. Et en réalité, chaque jour, elle entre dans la boîte de son mari là, pour s'asseoir. Et nous, c'est là, on détruit encore plus. C'est ça. Oui. J'envoie du feu dessus, voilà, dans votre couvent. J'envoie du feu dans votre couvent. J'envoie du feu dans votre couvent. Faites le couvent 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 dans votre couvent. Faites 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 sur votre hôtel. Faites sur votre hôtel. Le feu s'est détruit sur les hôtels à l'instant même. Le feu. Dans le nom de Jésus. Quelles sont les maladies que tu as encore mis en elle? Palu. Palu. Enlève ça. Enlève toutes les maladies. À l'instant. Enlève. Enlève ça. Enlève tout ça. Enlève au nom de Jésus. Enlève tout ça. Mort de tête. Enlève ça. Enlève la maladie au nom de Jésus. Prends ta main et enlève ça. Tu prends maintenant que deux mains. Enlève ça. Enlève tout ça. Tu prends tes deux mains au nom de Jésus. Enlève prends tes ça. Deux mains. Tu les enlèves au nom de Jésus. Enlève tout ça. Toutes tes semences, tout. Elle voit le sang de Jésus. Elle voit le sang de Jésus. Elle voit le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Elle voit le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vois le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vois le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus dans ton corps. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus dans ton corps. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vomis toutes tes semences. Tu vomis toutes tes semences. Vomis la volée. Vomis la volée. Au nom de Jésus. Vomis tout. Tu as vomi. Vomis tout. Tu as vomi au nom de Jésus. Vomis tout. Tu as vomi tout. Au nom de Jésus. Vomis tout. Au nom de Jésus. Vomis tout. Tu vomis tout. Vomis tout. Il y a un feu dans ton ventre. Le feu de cet esprit. Il y a un feu dans ton ventre. Il y a un feu qui brûle dans ton ventre. Ton ventre est brûlé au nom de Jésus. Le sang de Jésus, c'est du l'acide.
de la fibre. Ça ronge. Au nom de Jésus. 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 Ça te 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 ronge. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vomis là. Tu l'as vomi au nom de Jésus. Vomis, 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 vomis. Très bien. Tu l'as vomi au nom de Jésus. Venez nous aider une salle là. Viens. Tu l'as vomi voilà. Au nom de Jésus. Regardez. Si tu as ces choses-là, regardez comment les démons vont bourrer ta vie. Toi qui as ces choses sur la tête. Voilà. Vomis, on n'a même pas encore commencé sa délivrance. On parle seulement avec elle. Et les millions de démons qui sont en elle sont tourmentés. Voilà. C'est là maintenant, on va faire le travail proprement dit. Voilà. Et aïe, vomis tout. Vomis tout au nom de Dis-moi. C'est toi qui as bloqué le numéro de son mari, non? Ah, parle! C'est moi, son grand frère. Nous sommes trois. Ah, vous êtes trois? Oui, son grand frère. Très bien. Tu as bloqué le numéro de son mari. Oui, pourquoi tu as bloqué le numéro de son mari? Je veux que son mari me quitte. Mm-hmm. C'est simple, non? Tu veux que son mari la quitte? La quitte. Voilà. La quitte. Et qu'est-ce que toi tu gagnes si son mari la quitte? Elle sera de se promener partout. Mm-hmm. C'est ce que je gagne. Dans la prostitution. Elle sera de se promener. Elle n'aime pas faire la prostitution. La fille que vous voyez là, elle n'aime pas la prostitution en rien. Mais elle aime faire bonne partout. Elle fait bonne partout. Et toi, tu elle les gens, qu'elle se promène comme oui, comme pour ça. Faire bonne partout. Voilà. Parce qu'elle n'aime pas faire prostitution. On a fait tout possible pour qu'elle fasse prostitution. Elle regardez ces choses que vous avez sur vous. Regardez des millions de serpents comme ça, de serpents roux qui rongent vos âmes. Regardez tout ça là. Voilà, c'est la mort. Maintenant, il faut débloquer le numéro de son mari. Vite là. Vite. Prends ta main et débloque même. Et son mari va l'appeler aujourd'hui. Si son mari ne l'appelle pas aujourd'hui là, je vais te déchirer en morceaux. Tu m'as bien compris. C'est moi Hervé. Débloque. Je m'appelle Hervé. Voilà. Allez. Je m'appelle Hervé. Oui. Maintenant, c'est moi. Débloque le numéro de son mari. Débloque. Voilà son vrai visage. Débloque le numéro. Prends le portable de son mari et elle débloque son numéro. Et elle débloque le numéro. Débloque. Je débloque pas le nom de Jésus. Au nom du Saint de Jésus. Son numéro. Je déclare même à partir d'aujourd'hui que son mari l'appelle maintenant. Et que tout devient normal comme il le fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme, le Dieu de toute sorte de tout esprit. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que vous avez fait à son mari? Pour que le mari la laisse. Mais le mari aussi est têtu, il l'aime trop. C'est ça qui est le problème. Le mari aussi l'aime trop. On a fait, ça n'a pas marché. Maintenant, la nuit, le mari dort. On a semé la folie dans son cœur, dans le cœur du mari. Et le mari est chargé de colère. Voyez comment il détruit les foyers. Voilà. Son mari est en France. Mais ils ont tout fait pour les déconnecter. Voilà. Pour que son mari ne l'appelle plus. Mais Jésus-Christ va les reconnecter. Maintenant, et à enlever la colère que vous avez mise dans le cœur. Vite, enlève la colère. Enlevez la colère. Enlevez ça. Enlevez la colère. Et jetez ça. Enlevez la colère. Et jetez ça dans les abîmes. Jetez ça dans les abîmes. Qui est-ce que j'ai saisi? Jetez ça.
Non. Viens, viens, viens. Oh, Padre, je n'ai pas de moi ici, hein. Ouvre ta main. Elle reçoit l'amour de son mari. À partir de maintenant, son mari l'appelle. Là où son mari est, à partir de maintenant, son mari l'appelle. 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 Parce que la Bible déclare que nul ne sépare, que Dieu a uni. Maintenant, son mari l'appelle. Son mari va régler toutes les situations au nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'est Jésus-Christ qui a entendu. Maintenant, toi, esprit de spéronique. Toi, esprit de spéronique. Maintenant, qu'est-ce que tu as dit qu'il n'y a pas? J'ai refusé. Je dis, elle ne va rien faire dans sa vie. Elle va se promener. C'est ce que j'ai dit, le pasteur. Et alors? C'est ce que j'ai dit, pasteur. Uh-huh. J'ai dit qu'elle ne va rien faire dans sa vie. Esprit de limitation. Oui. C'est ça. Enlève la vie. Enlève la limitation. Maintenant même. Enlève. Au nom enlève de les liens de limitation. Enlève les liens de limitation. Enlève les liens de limitation. Enlève les liens de limitation. Vite. Vite, la personne. Enlève. Enlève ça. Jette-les. Jette-les dans les habits. Jette-les dans les habits. Jette. Jette. Jette dans les habits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas fini, hein? C'est pas fini. Cette finance que tu as bloquée, faut débloquer cette finance. Débloque cette finance. Débloque cette finance. Tu es debout dans le feu. Du feu sous tes pieds. À l'instant, la terre devient du feu. Je m'en fous. Vous êtes une confrérie. Aïe, 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 aïe. Je vais lui dire ça. Aïe, 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 aïe. Je vais dire ça à son père. Aïe, aïe, aïe. Ya. Débloque cette finance. Qu'est-ce que tu as mis à son rein? Qu'est-ce que je vois à son rein là? Qu'est-ce que tu as mis à son rein? Enlève ça. Enlève ça. J'ai vraiment pitié pour les gens qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Et jette là. Jette dans les habits. Enlève les verres douloureux là. Les verres douloureux. J'ai mis. Enlève ça. Oui, pasteur, j'ai mis. Enlève ça, hein. Pasteur. De parole. Pasteur. Obéis à la parole de Dieu. Je pense que tu as laissé le faux pasteur ici. Pasteur. Tu sais. Enlève ça. Pasteur. C'est tout. Enlève ça. Et là, jette-le dans les habits. Au nom de Jésus-Christ. Et là, qu'est-ce que tu attends de passer? Où se trouve ta calebasse? Calebasse. Calebasse, ça c'est ma grand-mère qui m'a donné. La calebasse, là, c'est où? Elle a dit qu'elle avait un arbre là. Viens, va me chercher ta calebasse. Vite! Au nom de Jésus. Vite! Pasteur, c'est au Togo, ça. Vite! C'est au Togo. Est-ce que pour aller au Togo, est-ce que toi tu as besoin de prendre voiture? Oui, non. Tu utilises quel oiseau? Non, vol. Les oiseaux qui hibou, gros yeux là. C'est ça, on utilise avec son père. On fait comme ça. Pasteur, quand le passe
cela veut gâter. Ça veut gâter. Calvasse. C'est longtemps. Ça fait 30 quelque chose. Oui, tu vois ça. Remets-moi ça. Jésus. Je ne peux plus donner. Pourquoi? Dans la sorcellerie, il n'y a plus pardon. Il n'y a plus de pardon. C'est dans Jésus, il y a pardon. Voilà. Maintenant, tu viens à Jésus. Tu vas venir à Jésus. Jésus, je ne crois pas. Tu ne crois pas. Ils vont me tuer là-bas, ils dans la loi de sorcellerie. Maintenant, pardon. Si tu es prêt à donner ta vie à Jésus, Jésus va te pardonner. Est-ce que tu vas venir à Jésus? Est-ce que tu vas venir à Jésus? Tu veux bien? Est-ce que tu vas venir à Jésus? Je vais donner ma vie à Jésus. Je vais la dire que j'étais sorcière. Je ne veux plus faire sorcellerie. D'accord. Je vais dire à Ariette. Et je vais voir comment Ariette va. Maintenant, tu me remets tous tes pouvoirs là où tu es. Tu me remets tous tes pouvoirs de sorcellerie. Là, on va finir avec ça. Là, on sait vraiment que tu veux donner ta vie à Jésus. Remets-moi tous tes pouvoirs. Tous tes pouvoirs. Tous les pouvoirs. Voilà. Ton premier pouvoir là, c'est quoi? C'est dans le canard. Dans le canard. Si le canard va dans ta maison, s'il prend, si elle met la poule dans ta chose là, le soir il va venir manger là-bas. C'est dans le canard. Dans le canard. D'accord. Amène ce pouvoir. Enlève ça. Donne-moi ça. Pasteur, vous allez gâter. Enlève ça vite, oh. Vite. Obéis au nom de Jésus. Tu n'as pas dit que tu veux laisser la sorcellerie? Alors? C'est difficile, non? C'est pas difficile pour Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Tu as bien compris. Regardez comment le sorcier a peur de donner sa vie à Jésus. Vite. Vite. Donne-moi le pouvoir, canard. Remets ça, oh! Remets-moi ça! Par le nom de Jésus, je t'arrache le pouvoir de Jésus, canard. À partir de maintenant, j'invoque le feu devant maintenant. Feu devant ça. Je rentre dans Magouya. Tu rentres dans Magouya. Oui. Toi qui rentres dans Magouya. Toi qui rentres dans Canada. Regarde, Jésus est en train de détruire tous ses pouvoirs. Toi aussi, fuis pour venir à Jésus. Sinon, la prochaine fois, quand tu vas rentrer dans Magouya, là, tu ne sortiras plus. Au nom de Jésus. Je te dis la vérité. Donne ta vie à Jésus. La prochaine fois, quand tu vas rentrer dans Canada, ou tu vas rentrer dans Ibu, ou tu vas rentrer dans Magouya, là, Jésus va te bloquer. Au nom de Jésus. Alors, il faut abandonner ces choses. Viens donner ta vie à Jésus pour être sauvé. Je te dis la vérité. Appelle le Magouya. Appelle le vite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dépose-le par terre. Dépose-le, par le nom de Jésus. J'envoie le feu sur le Magouya. Qu'est-ce que tu faisais avec le Magouya? On voyage. Vous voyagez.
D'accord. On peut entrer dans le véhicule, on va voler le véhicule, on part avec les passagers. Voilà. Vous voyez des magouillards qui circulent, qui font négligé dans les maisons, qui rentrent dans les chambres, qui rentrent dans les salons et tout ça là. Mais tu n'as pas Jésus. Si tu avais Jésus là, magouillard même ne peut pas te faire peur. Il ne peut même pas rentrer dans sa maison. Mais voilà. Elle utilise le magouillard pour rentrer dans le vécu des gens, pour les détruire. Tu as encore quel pouvoir? Voilà, les gecko là. Tu rentres dans ça. Donne-moi le. Voilà. Donc, vous utilisez le gecko comme caméra. Voilà, vous avez bien compris. Je garde tout. Maintenant, est-ce que c'est la maison d'un chrétien? Papa, pasteur, il y a tout chrétien là. Ils sont mauvais puisque nous les sorciers. Hein. Ils sont mauvais. S'ils ne commencent pas à prier là, je ne peux pas rentrer. Mais dans la maison de Henriette là, si elle va à l'église là, elle prie bien. Arrivée à la maison là. Moi, je vis dans la chambre, là, elle dort la nuit. Je vois tout, je garde. Très bien. Oui. D'accord. Ok. Et appelle-moi, le pouvoir de Jéko. Le pouvoir de Jéko. Le nom de Jésus. Dépose ça par là. Dépose. Par le nom de Jésus. J'envoie le feu sur le pouvoir. Feu sur le pouvoir. Feu sur le pouvoir de Jéko. Feu sur le pouvoir de Jéko. Fais-le, il lance, s'il nous lance, ça nous a blessé. Là où ça nous a blessé, la personne sera blessée là. Voilà. Il va trouver nombre de problèmes. Vous avez bien compris. Il va partir partout. Il va rentrer. Il y a les faux pasteurs, ils vont les mentir. Ils vont fuir. D'accord. Lui, il se transforme en cabri pour rentrer dans la maison des gens, pour rentrer dans leur cuisine, pour manger leur farine, leur lifi. Et quand la personne prend caillou pour jeter et blesser l'animal, c'est que directement, il va lui transférer la blessure. Et la ville et la personne est détruite comme ça. Et enlève le pouvoir de caméra. Et reste même. Enlève le pouvoir de caméra. Enlève ça. Les gens vont penser que c'est du théâtre, que c'est du cinéma. Ils ne croient pas. Quand ils ne voient pas la mort de leurs yeux là, ils ne croient pas. Vous voyez ça? Je pose ça là. Par le nom de Jésus. Je saisis l'épée avec tranchant. Je casse le cadran. 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 On va attacher qui n'est pas bon. On sera en train de marcher. Des choses déchirées pour faire le fou. Écoutez très bien, écoutez bien. Si tu ris là, toi qui ris là. On vous a provoqué ça. Son enfant ne vole pas le fou. Voilà. Oui. Voilà. Ils font le fou. Hein? Ils s'habillent comme fou. Et il va passer à côté de toi. Et quand toi, tu le vois, tu te moques de lui. Ou bien tu te ris de lui. Directement, il va t'envoûter. Et l'envoûtement va tomber sur tes enfants. Et il va voler la grâce de tes enfants. Voyez comment la sorcellerie opère. Vous ne croyez pas. Mais Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Pour détruire les œuvres de la sorcellerie au Bénin. On va tout saccager. Le pouvoir de foule. Ça, c'est un grand filet. Dépasse ça. Dépasse par terre là. Au nom de Jésus. J'envoie le feu. Fais de bras. Ça fait déjà combien de pouvoir?
Là où il y a des fêtes, voilà. Écoutez bien, là où il y a les fêtes. Même des enfants de Dieu, ils les utilisent dans la fête. Arrête, esprit de jalousie. Ils font du mal. Ils se font du mal. Et c'est vous aussi. C'est nous qui rentrons dedans. Ils ne prient pas. Les chrétiens qui vont se faufiler là où il y a la fête, vous dites qu'ils sont en train de fêter. Fêtez bien. Vous fêtez les sorciers, fêtez aussi avec vous. Ils fêtent avec vos âmes. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous avez bien compris. Voilà. C'est pas fini. C'est vous qui rendez les gens, c'est vous qui te donnez l'esprit de livraillerie et tout ça là, l'esprit de cigarette et tout ça là. Oui, mon pasteur. Dis-moi un peu. C'est nos outils. On utilise ça pour gagner les âmes. Parce que le diable aussi veut les âmes. Oui. Il veut les âmes. Oui. Mais il n'a qu'à aller au marché. Fais le temps parler. Je n'ai que ça. Vous savez, il y a d'autres qui ne prient pas. On envoie les autres. Regardez vos fidèles. Arrivez à l'église, ils vont s'asseoir, ils ne prient pas. Touchez-les. On utilise eux aussi. D'accord. Et enlève-moi les pouvoirs que vous utilisez. Les gens de prière. Enlève tout ça. Enlève tout ça. Et à te pose là, j'envoie le feu sur ça. Et comment ça se passe? Comment ça là se passe? On leur donne caca. Caca! Oh, Seigneur Jésus! On leur donne. Vous voyez? Quand vous mangez dans le rêve, en réalité c'est du caca. Mais vous mangez, vous voyez que vous mangez du riz, que vous mangez de acassa, bien sûr là. Or, en réalité c'est le caca des sorciers. C'est ce qu'il est en train de dire. Pipi, le vomissement. Ah! Oui! Vous le faites boire du pipi. C'est ça, il voit. Et quand il voit ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il tombe malade. Il tombe malade. Voyez, vous avez besoin de Jésus. Vous mangez dans le rêve, mais vous n'avez pas Jésus. Regarde, c'est ça l'esprit est en train de dire. Peut-être que tu ne crois pas. Peut-être que tu penses que c'est du cinéma. Mais tu as tous les problèmes et tu n'as pas encore la solution. Elle est venue ici parce qu'elle a tous les problèmes de la vie à cause de l'esprit de sorcellerie qui parle en elle. À peine on parlait seulement, la puissance du Saint-Esprit a projeté l'esprit. Elle a commencé par parler. Parce qu'on ne vient pas chez Jésus et retourner avec les problèmes. C'est comme ça se passe. Voilà. Maintenant, il reste quel pouvoir? Tu lui donnes à manger dans le rêve. Tu lui donnes à manger dans le rêve. Là, tu vas vomir tout ça. Tu vas vomir tout ce que tu as lui à donner. Le caca que tu lui as fait manger. Ton nourriture que tu lui as fait boire. Hé! Hey, quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Je reçois son âme au nom de Jésus-Christ. Je le plonge dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, qu'est-ce que tu attends pour partir? Véronique?
Qu'est-ce que tu attends pour partir? Tu attends pourquoi pour partir? Maintenant, est-ce que tu vas donner ta vie à Jésus? Hein? Tu es sûr que tu vas donner ta vie à Jésus? J'ai déjà tout donné. Tu es sûr que tu as tout donné? J'ai tout donné. Tu es sûr que tu as tout donné? Oui, pasteur. Maintenant, il y a sort d'elle. Pousse ton cri et sort d'elle. Sors d'elle. Tu pousses ton cri de toute ta force et tu sors d'elle. Si je dis 1, 2, 3, je te trouve encore dans son corps, je vais te décapiter. Je vais couper ta tête et donner aux oiseaux du ciel. Tu m'as bien compris. 1, sors. 2, sors. 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 Surtout ne joue pas semblant de sortir. Hein. Ne joue pas semblant de quelqu'un qui est sorti. Tu sors, tu n'es pas sorti, tu n'es pas sorti. Ne joue pas avec moi. Sinon, je vais écraser ta tête. Ne joue pas avec moi. Sors. Tu sors d'être au nom de Jésus. Relâche la vie de l'enfant de Dieu. Toi, le Père, relâche la vie de la servante dans ce corps. Je n'ai pas fini avec toi. Tu sors d'être au nom de Jésus. Lève-toi, on va parler. Tu sors maintenant d'être au nom de Jésus. Lève-toi, hein. On va parler de toi. Et à toi, Père de Henriette, quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Hein, quoi? Asipa. Dans les zones de sorcellerie, c'est Asipa qui m'appelle. Asipa. Voilà. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Qui es-tu? Oui. Je suis son père. Tu es son père? Oui. Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pourquoi tu as détruit? Je ne veux pas qu'elle se marie. C'est ton enfant, non? C'est mon enfant. Et pourquoi tu ne veux pas qu'elle se marie? Dans notre famille, on n'aime pas les gens glorieux. Non. D'accord. On n'aime pas. Tu es chrétien, non? Tu es chrétien, non? Je suis chrétien. On m'appelle chrétien. Ah, on t'appelle chrétien. Chrétien. Tu vas dans quelle église? Je suis catholique, je ne pas comme je veux. Vous l'avez entendu, non? Pas comme je veux. Un catholique sorcier qui est retrouvé dans le corps de sa fille et dit qu'il ne veut pas que les gens se marient chez eux. Oui, pasteur. Voilà. C'est moi, c'est quoi? Je te chiffre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu parles ici. Je saisis le pays. Je pèse tes yeux. Je pèse tes yeux. Je pèse. Je pèse. Je pèse. Je pèse. Je pèse tes yeux maintenant. Au nom de Jésus, jette maintenant. Au nom de Lève-toi. 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 Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi. Où est son âme? Où tu as mis son âme? Son âme. Son nom. Son âme. Son âme. Yes. On a un fétiche. Oui. Dans notre maison là. Au milieu, dans notre cour là. Oui. C'est là. Et on va dans la cour de la maison. Et on va le cou. Va dans la cour de ta maison. Son âme, non? Ouais. Là on a attaqué. Oui. Oh, chez les féticheurs aussi, hein. Vite. Et chez les féticheurs aussi. Vite. Son âme. Et dépose dans son corps. Dépose. Je sais son âme dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je ne sais pas. Je ne pas le feu de vous. Au nom de Jésus, nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas fini. Quelles sont les choses que tu as volées à l'homme? Son nom. Son nom. Et là. C'est là, moi son père, le père de Ariel, on a amené le nom au biré là. On a amené ça chez les charlatans. On a attaché ça. Donc, quiconque appelle son nom au biré là, il est en train de détruire sa vie comme ça. Si tu appelles son nom au biré là, ça veut dire que là où il est là, tout va gâter pour elle.
D'accord. C'est moi. Il n'y a pas pitié pour elle. Il n'y aura personne qui aura pitié. Voilà. Oui. Regarde. Il n'y aura pas pitié d'elle. C'est ça, moi, pour son père. Regarde. Je saisis maintenant le nom. Pas le nom de Jésus. Le nom Obirera. Voilà. Le nom Obirera. Voilà. Jésus m'a remis le nom. Et pas le nom de Jésus. L'alliance qui est derrière le nom. Je déchire l'alliance au nom de Jésus. Je détruis l'alliance. Je révoque maintenant toutes les alliances derrière ce nom-là. À partir d'aujourd'hui, elle ne se nomme plus Obirele. D'accord? Elle ne porte plus ce nom. Elle porte un nouveau nom. Le nom que Jésus-Christ de Nazareth lui a donné. C'est ce nom. Tu veux connaître le nom? Tu veux connaître le nom de Jésus? Tu veux connaître le nom? 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 Est-ce que tu veux connaître le nom? Pasteur! Elle s'appelle Dorcas de Jésus. Dorcas? Dorcas de Jésus. C'est le nom là qu'elle porte. Et quand on appelle désormais ce nom là, c'est le feu qui descend. C'est le feu qui descend. Si un sorcier appelle ce nom, c'est le feu de Jésus qui descend. Dorcas là? Oui, c'est le feu de Jésus qui descend. Appelle pour voir. Il faut appeler pour voir comment le feu va descendre. Il faut essayer pour voir. Il faut essayer pour voir. Voilà. Voilà. Maintenant, tout ce que tu lui as volé, sa gloire, hein? Son mariage. Tu couches avec elle, non? Oui. Tu couches avec elle. Oui. Parce que tu l'as mariée. Oui, je l'ai mariée dans l'eau. Ah. Parce que son grand-père a marié sa mère dans l'eau. Très bien. Oui. Vous avez bien compris. Sa mère a marié son grand-père dans l'eau. Voilà. Moi aussi, je l'ai mariée dans l'eau. Très bien. Donc, elle n'aura pas un mari. Très c'est bien. Ça, je fais. Très bien. Voici l'acte de mariage qui est lié à elle. Voici l'acte de mariage. Par le nom de Jésus, je saisis l'acte de mariage. Au nom de Jésus. Je déchire l'acte de mariage. Au nom de Jésus. Je déchire. Au nom de Jésus. Je déchire l'acte de mariage. Au nom de Jésus. Je révoque le mariage. Au nom de Jésus. Je prononce le divorce. Au nom de Jésus. Divorce. 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 Divorce au nom de Jésus. Divorce au nom de Jésus de Nazareth. C'est pas fini. Enlève le bague, la bague de mariage. Enlève. Prends ta main. Enlève. Enlève. Enlève ça. Enlève tout. Tous les doigts. Les bagues que tu as mis. Voilà. Enlève tout. Et jette ça. Jette dans les habits. Moi. Au nom de Jésus. Tu as fait combien d'enfants avec elle? Quatre enfants. Le premier enfant s'appelle comment? Didi. Hein? Didi. Didi. Le deuxième s'appelle comment? Awa. Awa. Didi Awa. Uh-huh. Le troisième s'appelle Sawa. Comment? Pawa. Didi Awa Sawa. Sawa. Uh-huh. Baba. Didi Awa Sawa Baba. Très bien. Didi Awa Sawa Baba. Regarde. Didi. Très bien. Voilà. Ça, voici l'acte. C'est là. L'acte de naissance des enfants. C'est ça. Tu as bien vu. L'acte de naissance des enfants. Jésus m'a remis l'acte de naissance des enfants. Par le nom de Jésus. Je déchire l'acte de naissance des enfants. Au nom de Jésus. Je déchire l'acte de naissance. Au nom de Jésus. Je déchire l'acte de naissance. Je déchire au nom de Jésus. Je le déchire au nom de Jésus. Je le déchire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Le premier enfant s'appelle Didi. Je saisis Didi maintenant. Je saisis au nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je saisis le premier enfant. Je saisis au nom de Jésus. Je l'égorge au nom de Jésus. Je l'égorge le premier enfant. Je l'égorge. Au nom de Jésus. Je l'égorge. Au nom de Jésus. Je l'égorge. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je l'égorge. Au nom de Jésus. Je l'égorge. Au nom de Jésus. Je l'égorge. Je le jette dans les abîmes. Au nom de Jésus. Je saisis le deuxième enfant. Elle s'appelle comment? Et là, je saisis le deuxième enfant. Par le nom de Jésus. Je l'égorge au nom de Jésus. Je l'égorge. Je l'égorge. Au nom de Jésus. Je le jette dans les abîmes. Au nom de Jésus. Je saisis le troisième enfant. Elle s'appelle comment? Par le nom de Jésus.
J'égorge maintenant le feu. Je l'égorge au nom de Jésus. Je l'égorge. Je l'égorge. Je l'égorge. Je le jette dans les âmes. Au nom de Jésus. Le quatrième enfant. Tu vas bien combat. Je sais ça. Je l'égorge. Je l'égorge. Je l'égorge. Tu es d'accord? On va faire marche. Toutes ces bénédictions que tu as voulu, tu vas lui rendre. Et je vais le laisser dans la vie. Sinon, je vais le gorger. Ou bien tu veux que je le gorge? Tu veux que je le gorge? Tu as tué tout. Oui. Tu as tué. Il reste le dernier. Tu veux que je le gorge? Sa bénédiction. Sa bénédiction. Oui. Toute sa grâce. Toute sa bénédiction. Je sème maintenant toutes ces grâces, toutes ces bénédictions dans le sang de Jésus. Je le couvre par le feu de mort. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, enlève les liens que tu as mis à son cou. À son cou. Tous les liens. Brise les liens. Enlève les liens. Enlève les liens. Les liens. Enlève au nom de Jésus. Les chaînes que tu as prises pour attacher sa vie. Enlève tout ça. Enlève au nom de Jésus. Enlève tout ça, enlève tout ça, enlève tout ça. Enlève tout au nom de Jésus. Le feu consomme tout ça là. Enlève tout au nom de Jésus. Tout ça, jette-les dans les habits. Au nom de Jésus, j'envoie du feu sur ça. Maintenant, qu'est-ce que tu attends pour sortir de son corps? Qu'est-ce que tu attends pour sortir? Je veux sortir. Tu vas aller où? Est-ce que tu vas donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu vas donner ta vie à Jésus? Pasteur, c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Donner ma vie, sorcier. Je suis sorcier. Tu veux pas aller au ciel? Tu veux pas aller au ciel? Sorcellerie là. Tu ne veux pas aller au ciel? Tu veux aller en enfer? Je vais devenir fou. Si je donne ma vie à Jésus, je vais devenir fou. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, est-ce que tu sais que c'est l'enfer? C'est l'enfer. Hein? Tu ne sais pas. C'est là où il y a le feu. Là où il y a le feu. Oui, Satan ne vous a pas dit ça. Tu connais Satan? Satan. Oui. Tu le connais? Je connais les sorciers, les grands sorciers. Moi, je connais les grands sorciers. Oui, mais est-ce que tu connais Satan lui-même? Satan. Oui. Tu ne connais même pas pour qui tu travailles. Moi, je m'en fous de Satan. Et c'est qui te paye le salaire? Qui te paye salaire? Qui te paye salaire? Satan, Satan, Satan. Tu vois ça? Tu veux mentir? D'accord. Regarde, lien de paternité. Tout ce qui te lie avec Henriette, que Jésus a changé le nom, elle est devenue Dorcas. Tu as bien compris. Tout ce qui te lie avec elle, lien de paternité, elle n'est plus ta fille. Aujourd'hui, elle est devenue la fille de Jésus. Oui. Tu as bien compris? Oui. Tu dis oui, chef. Oui, chef. Voilà. Maintenant, je saisis le lien de paternité. Au nom de Jésus, je déchire. Je déchire au nom de Jésus. Je déchire. Je déchire au nom de Jésus. Je déchire. Je déchire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déchire. Au nom de Jésus, elle ne porte plus ton nom de famille. Au nom de Jésus, elle porte le nom de famille de Jésus. Au nom de Nazareth. Je plonge ma main dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. La marque 666 que vous avez mise sur son front. Oui. Je fasse la marque. Au nom de Jésus. Je fasse avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Et j'écris sur son front le nom de Jésus. Au nom de Jésus. De Nazareth. Au nom de Jésus. Maintenant, tu as fait quoi pour sortir? Je te donne 3 secondes. Je prie. Jésus. Je suis. Maintenant, tu t'en vas. Yeah. Tu cours. Tu vas aller où? Tu veux que je t'envoie dans le feu? Tu veux que je t'envoie dans le feu? Hein? Voilà. Maintenant, va-t'en. Sors. Tu n'es pas parti. Moi, je sais que tu n'es pas parti. Tu es parti.
Tu es parti. Tu es parti. Maintenant, c'est l'ordre. Obéis à toi, chercher son âme. Immédiatement. Il reste ce dernier, lève-toi. Il reste ce dernier, il reste le grand frère. Jésus-Christ est Dieu. Toi, esprit de grand frère d'Henriette, manifeste-toi. Toi, esprit grand frère de d'Henriette, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu parles au nom de Jésus? Moi, je suis son grand frère. Oui. Elle a mis plus seule de, que moi. C'est un problème. C'est un problème. C'est un péché. Chez nous, c'est un péché. Ah bon? Comment? Je suis son grand frère. Pourquoi? Pourquoi? Elle donnera des choses plus que moi. C'est Dieu qui lui a donné, non? C'est Dieu qui lui a donné, non? Ça ne se fait pas. Toi aussi, il faut donner ta vie à Jésus pour que Dieu te donne la même grâce. Je connais Jésus. On va toujours à l'église. Ah bon? C'est Jésus, Jésus, Jésus. Qu'on appelle tu vas dans quelle église? Tu vas dans quelle église? Ici, on répond vite aux questions. Tu vas dans quelle église? Hein? Protestant. Tu protestes quoi? Dieu. Tu protestes c'est Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu, Dieu, Dieu que vous appelez là. Vous voyez? Tu dis? Il dit Dieu, Dieu, Dieu. C'est pas partout on dit Dieu, Dieu là, qui a Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu as bien compris. Voilà. Maintenant, quelles sont les choses que tu as détruites dans ta vie? C'est la jalousie. Jalousie. Hein, pas la jalousie, tu as détruit quoi et quoi? J'ai détruit beaucoup de choses. Comme quoi, comme quoi? Son mari. Son mari. Hein? On fait un complot avec ma maman. Maintenant, vous avez tout gâté chez ma maman là-bas. Maintenant, elle est là, là-bas, elle est en train de pleurer. Ma maman, non? Toi, tu la vis en train de pleurer. Elle est en train de pleurer. Pourquoi elle pleure? C'est pas vous. Ah bon? Vous l'avez tout pris. Ah bon? C'est Jésus qui a tout pris. Vous l'avez tout pris. C'est Jésus qui a tout pris. Elle est nulle là-bas. Maintenant, elle est nulle. Elle est nulle. Elle est nulle. Papa, voilà. Elle est nulle. Hé, hey, maintenant, on ne va pas perdre le temps avec toi. Tout ce que tu as volé. Tu couches avec elle? Je bloque son mari. Son mari là. Je le bloque. Je ne veux plus pas qu'il fasse quelque chose à sa femme. Et à débloquer. C'est moi qui fais ça. Débloque. Oui. Débloque, 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 débloque. Débloque. Je te fais ta fille. Débloque. Débloque, débloque, débloque. Tout ce que tu as bloqué là. Débloque. Débloque, débloque tout, débloque tout. Au nom de Jésus. Débloque, débloque, débloque. Daniel, débloque son mari. Quoi? Tu as débloqué. Qu'est-ce que tu as débloqué? Et le cas de son mari est dû, c'est pourquoi on trouve ça facilement, moi et ma maman. Voilà. Tu déposes son mari dans son corps maintenant. Vite. Dépose. Tu déposes au nom de Jésus. Jésus. Maintenant, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as encore détruit dans sa vie? La jalousie. Elle a acheté soja. Elle a acheté soja, les sacs de soja. Nous, on a détruit l'argent de soja là, on a détruit. Toutes ces finances que tu as détruites là, et rends-lui tout. Rends-lui, ramasse tout le dépôt. Rends-lui au nom de Jésus. Rends-lui tout. Toutes ces finances que tu as détruites. Moi, j'ai un petit show. Rends-lui toutes ces finances. Toutes ces finances que vous avez détruites. Dépose sur son front.
Je scelle maintenant cette lave par le sang de Jésus. Je le fais couper par le feu de mon nom puissant de Jésus. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Qu'est-ce que tu as encore détruit? J'ai rien fait. Tu es sûr? Oui. Tu couches avec elle, non? On couche avec elle. On là, c'est qui? C'est qui, on? Un autre. Ton père, toi aussi, tu l'as épousé? Non, mais je couche la nuit. Tu couches? Oui, je couche. Enlève la bague. Esprit, masturbation. Ok, c'est toi qui as mis ça. Pasteur. Tu vois ça? Toi qui te masturbes là. Regarde, c'est l'œuvre des sorcelleries. La masturbation aussi, c'est lié aussi à la sorcellerie. Voilà, son propre d'après, qui est spirituellement un démon, un sorcier. Voilà ce qu'il fait dans sa vie. Enlève la masturbation. Enlève ça. Enlève tout. Les passions mondaines. Enlève tout ça. Il y a un feu qui te trouble. Au nom de Jésus. Il y a un feu qui te brûle. Au nom de Jésus. On est le feu dévorant. Le feu qui te dévore. Le feu te brûle. Le feu qui dévore les ennemis des enfants de Dieu. Oui. Le feu te brûle. Au nom de Jésus. Enlève tout. Le feu te brûle. Enlève tout. Allez tout, jette tout dans les abîmes. Jette tout dans les abîmes. Seigneur, crée en moi un cœur. Rends le son intelligent. Intelligent? Oui. Pasteur, comment tu as fait pour savoir? C'est Jésus qui m'a révélé. Oui, rends c'est moi qui ai appris. Rends-lui son intelligent. Elle est j'aime plus ça. Rends-lui. Rends-lui ça au nom de Jésus. Rends-lui son intelligent. Sois bien. Rends-lui son intelligence. Te pose. Je cède son intelligence dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et je le déclare à partir d'aujourd'hui. Oui, tu ne t'approches jamais d'elle. Au nom de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui reste pour que tu partes? C'est fini. Est-ce que tu vas donner ta vie à Jésus? Hein? Tu es sûr? Tu es sûr? Oui, pasteur. Je vais donner ma vie à Jésus. Dans le chancellerie, il y a trop de problèmes. Trop. Je souffre trop. On m'envoie par ici, par là, moi seul. Maintenant, et on me donne un petit travail. Et rends-moi ta calebasse. Là, je saurais vraiment que tu veux quitter la société. Va me chercher ça. Va me chercher ta calebasse. Rends-moi ça. Par le nom de Jésus, je saisis la calebasse. Au nom de Jésus, je le casse au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Et j'envoie le feu de bras. Feu de bras maintenant. Feu de bras de Jésus. Quels sont tes pouvoirs? Quels sont les pouvoirs que tu as? Serpent. Qu'est-ce que tu fais avec le serpent? Qu'est-ce que tu fais avec le serpent? Ça fait dans la main de l'argent. Ça va toutes les richesses. Ça va toutes les richesses. Tout ce qui est. Comme tu peux avoir. Il veut me faire appel. J'ai bloqué son mari aussi. Avant, j'ai bloqué sa carte d'identité pour prendre de l'argent. C'est moi. Oui, c'est ça. On fait pour ça. C'est serpent. On prend toutes les richesses de la maison. D'accord. On maintenant, promis toutes les richesses que tu as avalées. Promis tout. Rends tout au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Par le nom de Jésus, tout ce que tu as avalé, tout ce que tu as avalé. Son mariage, son enfantement, son voyage, son marché. Tu cries de toute ta force et tu sors. Tu sors au nom de Jésus. Il ne revient plus jamais dans ce corps. Sors. Sors au nom de Jésus. Libère son corps. Tu sais que ce lieu, c'est le palais du lion de la tribu de Juda, le palais du roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, toi, Jézabel, est-ce que tu es venu faire ici? Est-ce que tu es venu faire ici? Toi, Jézabel, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Est-ce que tu es venu faire ici? Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Voilà, on a fini avec les sorciers. Maintenant là, c'est maintenant les démons qui sont là. Ça, c'est les démons de Jézabel. Il y a des esprits de sorciers qui sont arrêtés, des esprits humains dans un corps. Maintenant ici, c'est les démons vrais, vrais. Ça, c'est Jézabel. On a dit depuis longtemps, je ne veux plus tracer ma chaîne, je ne veux plus tracer ma chaîne, je ne veux plus les choses là, je ne veux plus les choses là. Et après, elle fait. C'est moi. C'est toi. Moi, tu vois ça. Elle dit, je ne veux plus faire ça. Mais après, je rentre chez elle. Elle fait. Voilà. Si elle ne donne pas sa vie à Jésus, je veux la suivre. Elle doit donner sa vie à Jésus. D'accord. Maintenant, quelles sont les choses que tu as détruites dans ta vie? Quelles sont les choses que tu as détruites dans ta vie? Tu reprends au nom de Jésus. Ce que j'ai détruit dans ta vie, c'est beaucoup. Quelles sont ces choses-là? Quelles sont ces choses? Elle est mauvaise partout. Elle est mauvaise. Tu lui as donné la méchanceté, c'est ça, non? L'insoumission, la rébellion. Enlève tout ça de son cœur. Vite. Enlève-le au nom de Jésus. Enlève-le. Enlève tout ça de son cœur. Enlève-le de son cœur au nom de Jésus. Enlève-le de son cœur.
Enlève tout ça. Jette dans les abysses. Enlève tout ça. Enlève au nom de Jésus. Enlève-le au nom de Jésus. Enlève-le au nom de Jésus. Enlève tout. Dis-moi, vous êtes combien dans ce corps? Vous êtes combien dans ce corps? Au nom de Jésus. Maintenant, tu te redresses. Maintenant, lève-toi. Tu te redresses. Allez, redresse-toi. Lève-toi. Au nom de Jésus. Redresse-toi. Redresse-toi. Allez, allez. Il n'y a pas de temps pour la méchant. Tu n'es pas chez toi ici. Maintenant, regarde la vie. Regarde le lien de famille. Le lien de famille. Qui a fait que tu as droit à sa vie. Oui. Qui te donne le droit de contrôler sa vie. Le Seigneur n'a donné ça. Voici le lien de famille. Que le Seigneur n'a. Regarde la vie. Le Seigneur nous remet ça. Je t'aime. Au nom de Jésus. Je prie. Au nom de Jésus. Je prie. Au nom de Jésus. Je l'annule. Au nom de Jésus. Je te prie. Au nom de Jésus. Et je proclamera le divorce. Je n'ai plus de sa famille. Oui. Désormais, sa famille, c'est Jésus. Au nom de Jésus. Sa famille, c'est divorce. Jésus. Maintenant, nous proclamons le divorce. 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 Tu l'as perdu complètement. L'âme de divorce est là. Regarde bien. Tu l'as perdu complètement. L'âme de divorce est là. L'âme de divorce est là. L'âme de divorce. Voilà. L'âme de divorce est là. Tu l'as perdu complètement. Voilà. Là, le divorce est là. Regarde bien. Là, le divorce est là. Sors. Allez, sors d'elle. Sors. Allez. Allez, va-t'en. Allez. Sors maintenant. Allez, sors. Libère-la. Sors. Tu sors. Sors. Tu sors. Libère son âme. Tu pousses son délire que tu sors. Libère son âme. Allez, sors. Libère son âme. Sors. Libère son âme. Libère son âme. Libère son âme. Allez, sors. Allez, tu sors. Que ce diaboleur. Amen. Allez. Libère-la. Tu sors. Libère son âme. Allez, tu libères. Libère-la. Sa gloire. Libère-la. Sa bénédiction. Seigneur Jésus. Qui est encore là? Toi qui es là, quel est ton nom? Le feu du Saint-Esprit. Toi qui es là, quel est ton nom? Localise. À l'instant même, le feu de bras descend sur toi. Le feu te localise maintenant. Et te tourmente. Et te tourmente. Et te tourmente. Et te tourmente. Sous la pression du Saint-Esprit. Je vois. Sois béni. Tu es de candidat. Dépense son étoile dans son corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je t'ai dit que ne peux jamais s'approcher. Au nom de Jésus. Tu as bien compris. C'est pas fini. Et là, quoi d'autre? C'est toi qui as bloqué son mariage. Hein? Parle au nom de Jésus. Oh. C'est toi qui as bloqué son mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Je sème les discussions.
tu sèmes les discussions. Voilà. D'accord. L'argent finit. L'argent finit. Toujours l'argent finit. L'argent finit. L'argent finit. C'est moi. Et toi? D'accord. Et aïe, 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 tout ce que tu veux. Prends tout, 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 tout. Ramasse tout. Ramasse. Enlui tout au nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je scelle maintenant toutes ces bénédictions, toutes ces finances. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. De Nazareth. Enlève la colère de son cœur. Enlève la colère de son cœur. Enlève ça. Enlève la colère. Enlève, enlève, Jésus. Enlève. Enlève la colère. Vite. Au nom de Jésus. Enlève la colère. Oh. Au nom de Jésus. Vite. Et achète, 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 achète. Achète. Au nom de Jésus-Christ. Achète dans les habits. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que tu attends pour sortir? Enlève tes accoutrements. Jézabel, parle-moi un peu là. Les femmes qui mettent les boucles d'oreilles, les chaînes. Les accoutrements. Quand il meurt, elle va aller où? Ah! Pasteur, qui c'est, non? Peut-être que moi je sais, mais les autres ne savent pas. Les autres prisonniers que tu as mis dans ta prison là, ils ne savent pas. Il faut leur parler. Les femmes qui mettent les mèches telles qu'elle a mis. Les tresses rouges et jaunes et blancs, les perruques de toutes les couleurs, tout ça là a quitté où même? Ça a quitté où? Dans la mer. Dans la mer. D'accord. Maintenant, ceux qui mettent ça là, qu'est-ce qui leur arrive? Dans le feu. Le feu. Les femmes qui mettent les faux ongles, les faux cils. Dans le feu. Le feu. Le feu va aller. Ah bon? D'accord. Et les femmes qui portent les hauts talons? Les femmes qui mettent les hauts talons? Ils seront péris. Bon. Et les collants? Parle au nom de Jésus! Oh! Ils seront dans le feu. Très bien. Très bien entendu, hein? Maintenant, tous tes accoutrements qui sont sur son corps, hein, tes pommades, machin, machin, tout ça là, enlève tout ça là. Enlève les mèches, faucilles, boucles d'oreilles, chaînes, enlève tout ça. Enlève tout ça. Tu obéis à la fondation du ciel. Enlève tout ça. Tu obéis au nom de Jésus. Enlève-le, enlève, 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 enlève. Enlève tout ça. Enlève-le au nom de Jésus. Enlève tout ça. Jette, 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 jette-le. Jette dans les habits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il reste quoi pour que tu sortes? L'oubli. L'oubli. Et aïe, aïe, aïe. L'oubli. Enlève, enlève. Enlève l'oubli. Enlève l'oubli. Enlève l'oubli. Enlève l'oubli. Vite. Enlève ça. Enlève ça! Enlève au nom de Jésus! Non, je vais te couper la tête! Enlève le. Jette-le! Dans les habits! Jette dans les habits! Au nom de Jésus! Tu te lasserais! Maintenant, tu attends quoi? Il reste quoi? Je vais partir. Tu vas partir? Tu es sûr? Oui. Est-ce que tu vas donner ta vie à Jésus? Hein? Oui. Toi, Jézabel? Tu es sûr? Tu es sûr? Je vais quitter chez Henriette. Oh, maintenant, il faut. Je vais quitter chez Henriette. Il faut quitter. Oui. Je vais quitter chez Henriette. Totalement. Je vais quitter. Et maintenant, va-t'en. Va-t'en. Sors! Et sors! Sors, 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 sors! Sors! Au nom de Jésus. Sors, 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 sors! Sors au nom de Jésus. Sors! Au nom de Jésus. Sors! Libère-toi! Sors! Sors! Tu sors au nom de Jésus! Sors! Libère ton corps! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Si tu fais semblant de sortir et tu n'es pas sorti, je saisis le marteau du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je prie. Je prie au nom de Jésus. Je prie. Je prie au nom de Jésus. Je veux être un marteau. Le feu te consume. Le feu te consume. Le feu. Tu n'es pas parti. Toi, esprit, c'est qui? Toi, esprit qui est là, c'est qui? Toi, esprit qui est là, c'est qui? Toi, esprit qui est là, c'est qui? Ton nom? Mami. Mami. Ok. D'accord. Rends-lui tout ce que tu as voulu. Rends vite. Les autres sont déjà précédés, ils sont partis déjà en enfer. Rends-lui tout ce que tu lui as volé. Rends-lui vite. Rends tout ce que tu lui as volé. Son étoile, sa gloire, ses bénédictions, ses grâces, ses dons spirituels. Rends tout. Tout ce que tu lui as volé. Ce que tu as volé. On ne se moque pas du Saint d'Israël. Jamais. On ne se moque pas de Dieu. Jamais. On ne se moque pas du Dieu d'Israël. Jamais. Voilà. Tout ce que tu lui as volé, creuse bien et déteste tout. Yeah. La santé, bonheur, mariage, tout. Yeah. Dépose maintenant. Dépose dans ce corps. Dépose sur sa frontale. Dépose. Oh. Au nom de Jésus, son bonheur, sa gloire, sa bénédiction, cette finance, tout dans le sang de Jésus, tout au nom de Jésus. Maintenant, tu attends quoi pour partir? Enlève tes chaînes, enlève tes liens, tout. Enlève tout. Jette tout. Jette tout dans les abîmes. Enlève tout. Jette tout dans les abîmes. Maintenant, tu attends quoi pour partir? Tu attends quoi pour partir? Je veux partir, pasteur. Et là, je t'envoie maintenant. Sors! Tu sors! Sors! Au nom de Jésus! Sors! Si tu fais semblant de partir, tu n'es pas parti. Toi, tu es qui? Suivant, tu es qui? Étranger, tu es qui? Tu es qui? Tu es au nom de Jésus. Tu es qui? Qui fait? Vieille. Henriette de fait vieille. Parfois, Henriette est comme vieille. Ah, c'est nouveau ça. Esprit de vieillesse. Tu habites où? Tu habites dans quel monde? Ah, au nom de Jésus. Je suis dans le désert. Tu habites dans le désert. Maintenant, quelles sont les choses que tu as détruites en elle? Tu as détruit sa beauté. Oui. C'est ça, non? Et a rendu sa beauté. Rends-lui la beauté que le Seigneur lui a donnée. Au nom de Jésus. La beauté, c'est une grâce de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Et toi, tu es venu ériger dans son corps. Regarde-moi ça. Voilà. Esprit de vieillesse. Vous voyez ça? Regarde ça. Rends-lui sa beauté. Rends-lui sa beauté. Sa beauté. Tu lui rends sa beauté naturelle. Pas la beauté artificielle de Jézabel, non. La beauté naturelle.
beauté naturelle. Repose, mon Dieu. Repose. Au nom de Jésus, ne fais pas semblant de partir. Tu sors définitivement. Ne reviens plus jamais dans ton corps. Tu sors ou ton cri de toute ta force et tu sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Fais sur toi au nom de Jésus. Esprit suivant. Ah, tu es qui? Toi, tu es qui? Regarde, une seule personne. Et regardez, toi, tu es qui démon dans sa vie. On a fini avec les sorciers de famille. Maintenant, c'est les démons. Esprit de Jézabel est parti. Esprit de Marie est parti. Maintenant, c'est l'esprit de vieillesse qui vient de partir. Et c'est pas tu fini. Parles au nom de Jésus. Il y a encore des démons en elle. Tu ne veux pas donner ta vie à Jésus. Qui es-tu? Toi, étranger. Tu n'es pas la bienvenue ici. Quel est ton nom? Présente-toi. Quel est ton nom? Qui es-tu? Arrête, dit que ils ont dit je suis orgueil. Moi, je ne suis pas orgueil. C'est l'orgueil. Moi, je ne vais pas faire ça là. C'est orgueil, non? Orgueil. Toi, esprit d'orgueil, c'est ça? Et enlève l'orgueil de son cœur. Enlève l'orgueil. Tu obéis au nom de Jésus. Esprit d'orgueil, regardez ça. C'est moi, le moi là. Voilà. Toi qui fais le moi. Regarde. Voilà. Tu as besoin aussi de délivrance. Enlève l'orgueil de son cœur. Enlève au nom de Jésus. L'orgueil. Tu obéis au nom de Jésus. L'esprit du moi. Enlève ça de son cœur. Enlève ça. Enlève ça. Enlève ça. Enlève ça. Et jette dans les abîmes. Jette! Je ne veux pas que tu jettes ça. Même pas jeter ça. Jeter très loin. Dans les abîmes. Non, le Jésus. Qu'est-ce que tu as consommé dans son cœur? Tu es fini. Maintenant, tu attends quoi pour partir? Je prie tes liens. Sors d'elle. Je prie tes liens. Sors. Nom de Jésus. Je coupe ta tête. Au nom de Jésus. J'arrache ta tête. Au nom de Jésus. Esprit suivant. Alléluia. Alléluia. C'est fort, hein? Jésus l'aime tellement. On n'a même pas commencé son travail. Elle m'a appelé le matin avec des pleurs au téléphone. Ah, vraiment. Oh, vraiment, je vais te voir. Je l'ai indiqué, elle est venue. Je l'ai fait asseoir là, on a commencé par échanger. En même temps, l'esprit là. Est-ce que s'asseoir en présence d'un feu dévorant? Mais pas résister. Ils ont tout détruit dans sa vie. Elle n'a même pas de quoi manger. Son mari vit en Europe et le mari l'a bloqué. Tout ça, les sorciers ont parlé de ça. C'est eux qui sont derrière tout ça là. Hein? Elle est venue avec des pleurs. Il faut bénir le Seigneur Jésus. C'est Jésus qui a tout fait dans sa vie. Hein? C'est Jésus qui a tout fait. Tu as promis que si Jésus te délivre, que tu vas te donner complètement à lui. Tu tiens parole. Tu as vu? Il y a au moins une dizaine de démons qui sont sortis de toi. Il y a trois démons de sorcellerie. Ta mère, ton père, ton grand frère. Quand on te dit ça, c'est pas que tu vas les haïr.
pas que tu vas les haïr, non. Parce que c'est spirituellement. Elles-mêmes ont besoin de Jésus. Tu comprends? Maintenant, en dehors de ça, il y a au moins 7 autres démons. Esprit de Jézabel. C'est l'esprit-là qui est derrière les messes rouges. Tout ça là que tu as mis. C'est l'esprit-là qui est derrière avec l'esprit de mamie. Donc, si tu mets encore ces choses sur ton corps, quand ils vont venir là, ils vont te détruire. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Voilà. Seigneur, crée en moi un cœur saint. Seigneur, je veux être un vase d'honneur. Seigneur. Ne pas exposer ton corps dans la rue. Nous sommes d'accord. Voilà. Prends tes mains. Tu vas confesser Jésus. Tu vas répéter avec toi. Devient nouvelle, papa. Tu la soutiens dans la marche. Tout ce que l'ennemi a détruit dans sa vie, à partir de maintenant, tout est restauré. Tout est restauré. Tout est restauré. Au nom de Jésus-Christ.